إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Je vais pas trop tarder parce que je vais pas vous exhorter à aller voter pour la simple et l'unique raison que vous allez le faire. C'est pas la peine, hein. Parce que ce mito qalouli Omar, il faut que tu leur dises, yani tu insistes, خص comme تروحوا تفوتوا. اللي ما فوتش هاد المره فوقاش فوقاش غادي يفوت. انا قلت مش منا ولا من كل المسلمين. Celui qui a ce pouvoir d'aller voter et d'aller choisir. Ce pourquoi on se bat en Syrie. On se bat entre autres pour ça. Ce pourquoi on s'est battu en Tunisie. Ce pourquoi on s'est battu en Égypte, ou mazal ahad, en Libye. C'est quoi? C'est être libre. Exprimer le moment venu son choix, sans aucune contrainte. Même celle de Omar al-Asfar. Je ne vous donnerai pas de consigne. Je n'ai pas ce droit-là. Ce serait vous prendre, vous infantiliser, comme on dit. Vous prendre pour des mineurs. Vous n'êtes pas des mineurs, alhamdoulilah. Chacun de vous est un majeur. Surtout en ce moment. Ce moment. Alors, la consigne est donnée par les candidats. La consigne est donnée par les candidats. Et celui qui a suivi tout le débat, Adam, parce qu'aujourd'hui, à minuit, la campagne officielle. Mais nous avons, alhamdoulilah, nous avons suivi. Nous avons suivi, vous avez tous suivi, les déclarations des uns et des autres, des hommes et des femmes qui prétendent yani, au poste suprême, comme on dit. En fonction de ce que tu as compris, alhamdoulilah, là tu sais, alhamdoulilah, faire la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Il suffit de faire la différence entre les deux, ibn al-haq. Ils veulent le haq, ça ne demande pas. Cette fois-ci, il n'y a pas trop de smito. Hein? Ils sont clairs. Kullu wahad wa shqal. Hna, nous sommes, en quelque sorte, on va être, nous les citoyens de confession musulmane, on va ressembler à la société. Et d'ailleurs, le jour où nous ressemblerons à la société, surtout dans le domaine, kunu mlah. Sbah, dimanche matin, keftro, 10h, 11h, ils font la grasse matinée, keji, hajj ou hajja. Sans faire de bruit ou kada. Alors en Afrique, pour voter, il faut être armé. Pour cela que les femmes ne votent pas en Afrique. Il ne peut pas aller tous les deux. C'est un risque énorme. Fait France, on ne risque pas sa vie quand on va voter. Au contraire. Wallahi al-Azim. Je vous invite, ayyatou al-akhawat, d'aller en famille. Avec le dimanche matin ou le dimanche après-midi, l'île n'est pas comme. Mais chez le 6, parce que Ghalib ibn Hakim, le 6. Alors le vote, c'est le 22. C'est Nahar al-Had. Je vous invite, ayou l'ikhwa, d'aller en tant que citoyen. J'aimerais bien vous transmettre un certain nombre de notions, pas sur le plan politique, sur le plan de la citoyenneté. Non. Ce que dit l'islam, ce que dit la religion. Parce qu'encore une fois, nous avons encore des petits musulmans. Des petits musulmans qui disent que non, c'est haram d'aller voter, Khoya Omar. هل مشكلة في كينا وخل والد الاب بغى يمشي فوتي يجلو يقولوا لا ما با نو سي حرام تمشي للنار مسكين ما يروحش يفوتي وغيبقى في النار ماشي غير يمشي للنار غيبقى في النار باسكو النار راك فيها اما ديال ربي العالمين رحمته واسعه وان شاء الله ما يدخلوش النار كاملين واش زعما ربي غيدخلنا النار وما فينا ما تاكل النار والله ما فينا ما تاكل نغلا سليمان ما فينا ما تاكل النار اللي بغى يدخل النار يا اخي غير اللي بغى بالسيف لنا النبي قال vous irez tous au paradis الله اكبر اه لو بروفيت دو لا ميزيريكورد vous irez tous au paradis sauf celui qui ne veut pas اه c'est qui هذا فقالوا يا رسول الله qui ne voudra pas aller au paradis قال celui qui me suit ira au paradis celui qui ne me suit pas il ne veut pas donc il suffit de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, en dehors et surtout à la maison. Parce qu'à la maison, c'est difficile de suivre le prophète. Je vous dirai, inshallah, comment le prophète était chez lui à la maison. Je vais rappeler 5 règles. 5 règles du droit musulman. Non pas du droit civil. Zien, hein? Ou là de la consigne française. Nous sommes d'accord, en tant que citoyen, c'est un devoir d'aller voter. Un devoir et un droit. Dans un certain nombre de pays, c'est un devoir. Donc c'est
Yani, les gens se sont sacrifiés pour nous ramener cette liberté d'aller choisir. Choisir celui qui va nous représenter à l'Élysée, ceux qui viendront peupler yani, les bancs de l'Assemblée nationale, et plus loin en 2014, yani, les conseils municipaux. Cette liberté, il faut l'exprimer. Mais là, je prends le sujet d'un autre angle. La première règle du droit musulman, c'est la suivante. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عند علماء الأصول. La règle 1, la règle numéro 1, ce qui mène à un devoir devient un devoir. Autre traduction, ce qui conditionne une obligation devient en lui-même une obligation. En elle-même une obligation. ما لا يتم هذا هو الواجب. Pour atteindre l'obligation, il y a un moyen qui me permet d'atteindre l'obligation. Avec le moyen, il devient une obligation. Notre obligation dans ce pays, Rwanda, nous voulons aspirer à plus de liberté en tant que citoyen de confession musulmane, à plus de dignité, à plus de respect. Oh là là, vous voulez être respecté comme musulman, comme citoyen. Vous voulez une reconnaissance en tant que musulman, en tant que citoyen. Eh bien, cet objectif-là, c'est un devoir. Hein? Le moyen qui mène, il faut t'exprimer. Tu ne peux pas dire, je vais dormir, je veux être respecté. Je veux avoir de la dignité. Mais tu ne bouges pas. Vas-y, aide-toi, Dieu t'aidera. On connaît ce dictant. Bouge, mon frère, bouge, ma sœur, et Dieu t'aidera à travers, Inch'Allah, le moyen que tu fais. Ça, c'est la première règle. Al-wajibu ala al-muslimi an yataqawwa fi kulli al-mayadin al-hayatiya. Al-mu'min al-qawi khayrun 'inda Allah min al-mu'min al-da'if. Nous avons à se dire, le croyant fort, bien sûr, fort dans sa foi, mais fort dans sa vie, dans ses convictions, dans ses idées, dans sa citoyenneté, il est préféré par Dieu aux musulmans ou là aux croyants faibles. كسب الاحترام التأثير في اتخاذ القرار كل هذه واجبات تمر بالضرورة عبر الثقل السياسي وعبر والثقل السياسي لا يتأتى إلا بالمشاركة الانتخابية تصويتا وترشيحا. الآن ما وصلناش لترشيحا. يلا on veut participer. Et Allah a voté. Mais le moment venu, qui est-ce qui a interdit aux musulmans de se porter candidat? Rien. Si ce n'est quelques petits musulmans qui sont contre voter, contre se présenter. Et pourtant, ils sont des Français, ils sont nés ici. Je te dis, Allah, c'est une difficulté grande. Dis-moi comment tu fais pour vivre dans ces sociétés-là. Deuxième règle, al-qa'ida al-thaniya al-usuliya, irtikabu akhaf al-dararayn. Dans la vie, d'une façon générale, quand le choix entre le mal et le bien, quand tu es amené à choisir entre le bien et le mal, qu'est-ce que tu choisis? Le bien. Ça ne demande pas un effort titanesque. Mais quand tu auras à choisir entre deux biens, tu prends pif. Et quand tu auras à choisir entre deux mal, deux mois à fouet, tu prendras. Est-ce que l'islam il a une expression? Oui, oui. L'islam il te dit entre deux mots, choisis le moindre mal. Mais tu choisis quand même. Choisis un mal, oui, une règle juridique. Akhaffu ad-dararayn. Ta'rifouna qissat Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah, alim al-ulama al-muslimin, c'est la référence d'un certain nombre de musulmans d'aujourd'hui. Il a vu des personnes en train de boire de l'alcool dans un état musulman. Voilà que ces personnes ne sont pas musulmanes. Les Tatars, les Maghoul. Enfin, un musulman a essayé de les appeler à arrêter. S'il te plaît, ne leur dis pas d'arrêter. Parce que s'ils se réveillent, ils vont tuer des hommes et des femmes. Ibn Taymiyyah, il a accepté le mal qui est l'alcool. Pour préserver la vie des personnes, des hommes et des femmes. Donc la deuxième règle, si tu auras amené à choisir entre le bien et le mal, tu choisis le bien. Mais si tu auras à choisir entre les deux biens, tu choisis le meilleur bien,
Mais quand tu auras, tu seras amené à choisir entre deux mots, tu choisis le moindre mal. Irtikaba khaf ad-dararay. Thumma thalithan, la troisième règle. Ahadith kathira wa ayat kathira fi hadha al-majal. La troisième règle, dar'u al-mafasidi awla min jarbi al-masalih. Repousser le mal passe avant d'attirer le bien. Subhanallah. Alors, les ulémas ta'na, vraiment, ils nous ont fait des règles d'or, les règles d'or. D'abord, tu cherches à repousser le mal. Si tu auras à choisir entre j'attire le bien ou là je repousse le mal, vaut mieux repousser le mal. Parce que tu attires le bien en présence du mal, ça ne sert à rien. Donc, repousse le mal. Wa a'taqid anna fi qadiyat l'intikhabat, là, on n'a pas bien et mal. C'est difficile de dire shkoun li haqq, shkoun li batil. Tu ne peux pas. Hein? Parce que dans chaque programme, il y a des choses qui te plaisent, il y a d'autres qui ne te plaisent pas. Il n'y a pas un programme net, propre, et un autre mauvais. Mais il y a des points, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est d'accord ici et on n'est pas d'accord, et sur lesquelles on est d'accord ici et on n'est pas d'accord. Mais c'est à toi de faire cette gymnastique, de repousser le mal avant d'aller chercher le bien. Rabi'an, c'est de dara'i'i. Cette dara'i, le chemin qui mène à une interdiction, tu le coupes. Le chemin, il devient mauvais. Le chemin, il mène à une interdiction. Puisque ce chemin, si tu l'empruntes, il te mène, il te conduit à une interdiction, vaut mieux t'interdire le chemin, emprunte un autre chemin. Khamisan wa akhiran, al-umur bima alatiha. Les choses sont définies par leur finalité. Chaque geste que tu fais, cherche sa finalité. Yani, aie en tête la finalité de ce que tu fais. La conséquence du geste, de la parole que tu es en train de faire. C'est pour cela que je vous dis d'aller voter dimanche matin ou l'après-midi. Wa as'Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an an nadhhaba wa an nu'abbira ala wajibin wataniyin wa ala wajibin diniyin. Parce que nous, on ne fait pas la différence entre les obligations religieuses, notamment en se mettant en la matière, les obligations religieuses et les obligations citoyennes. L'obligation citoyenne devient une obligation religieuse. L'indou. La carte d'électeur, ou maïrouchi, il se vote, qui est le mal. C'est quelqu'un qui cherche le mal. Allah yahfad. Ou le mal, tu peux le repousser. Tu peux repousser le mal. Ou à tu as failli. Tu as répondu absent. Mais si jamais le mal il s'installe et tu avais l'occasion de le repousser, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le traître, tout simplement. Tu as fait le lâche parce que tu avais la possibilité de repousser le mal sur toi et sur la collectivité et tu ne l'as pas fait. Et tu vas le regretter après. Non, tu as l'occasion, mais tu as la possibilité. On ne te dira pas pour qui tu vas voter parce que, alhamdoulilah, tu es majeur. Mais Rouh va t'exprimer à sa façon. Mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Parce que, alhamdoulilah, tu es vacciné, majeur et vacciné. Jama'atun kanat ala mou'idin sabiqin laha mashru' tawsi'at al-masjid fi nawahi Verdun. La ville de Verdun est invitée chez vous. Verdun, il y a une histoire de Verdun. Verdun, le front de Verdun. Hein? Les musulmans ont apporté beaucoup à la société française avant même qu'ils soient comme des travailleurs ou des étudiants. Ceux qui ont composé le front de Verdun étaient des musulmans marocains, algériens, sénégalais. Hein? Ils n'étaient pas là pour la carte de séjour, ni pour le droit de vote, ni pour les prestations sociales. Alors aujourd'hui, on nous fait mal avec les prestations. Allah, on nous fait mal. C'est comme si on est là pour les prestations, alors que les 4/5 d'entre vous payent leurs impôts sur le revenu. Les prestataires sociaux. Aujourd'hui, nous sommes des créateurs de riches. Mais vous ne serez pas respectés à votre juste valeur si vous ne repoussez pas le mal. Si vous persistez à vivre avec le mal, vous ne pouvez pas vivre dans le respect. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-'afafa wal-ghina. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم قرابتنا وارحم أصهارنا وارحم من لا يحق علينا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب.
تستجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما لنا ولغيرنا، واجعلنا فيه من الآمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب